paresseux sont des animaux les plus anciens mammifères du monde. Cet animal est apparu sur le continent américain il y a 60 millions d'années environ, puis a colonisé le reste du Nouveau Monde et s'est développé sous plusieurs formes. Aujourd'hui, bien caché au cœur des forêts tropicales de ce continent, il explore les hautes frondaisons avec la lenteur caractéristique qui lui a valu son nom. Ce sont des animaux de taille moyenne au mode de vie original. Ils sont presque toujours suspendus à l'envers dans les arbres et se déplacent avec lenteur. Ils possèdent de longues griffes. Les paresseux du genre Bradypus sont aussi appelés Aï, chacun de leurs membres se terminant par trois doigts griffus. Outre les six espèces vivant actuellement, on connaît quatre espèces éteintes de paresseux géants qui vivaient en Amérique. Les quatre paresseux géants des États-Unis étaient des animaux de grande taille qui pouvaient se tenir debout. Ils étaient herbivores et vivaient au sol. Ils possèdent au total 18 dents, en général 10 en haut et 8 en bas, qui leur servent à mâcher des feuilles. Leur métabolisme, deux fois inférieur à celui des autres mammifères, leur procure une température qui varie de 23 à 32 degrés Celsius au cours de la journée, impliquant une poikilothermie au moins partielle. La couleur du pelage, verdâtre, est due à la présence de symbiotes chlorophylliens. Le paresseux possède quelques prédateurs, principalement le jaguar, l'oslo et l'aigle harpie. Autre caractéristique, le cou du paresseux comporte 8 à 9 vertèbres cervicales, ce qui lui permet d'effectuer des rotations de la tête sur près de 270 degrés. Le paresseux est solitaire, il ne s'accouple que tous les 2 ans environ. La femelle donne naissance à un seul petit au bout d'une gestation d'environ 6 mois, le petit pèse alors 200 à 250 grammes. Au bout de 6 mois la mère le délaisse, mais le petit la suit encore jusqu'à l'âge d'un an pour s'en séparer définitivement ensuite. Les seuls paresseux qui ont subsisté jusqu'à nos jours sont tout petits et extrêmement discrets. Ils ont un pelage qui leur assure un parfait camouflage dans les arbres où ils vivent seuls, sauf durant la période de reproduction, bougeant peu même la nuit quand ils se nourrissent. Ne descendant à terre que pour y faire ses excréments, le paresseux passe ses journées entières dans les arbres et est extrêmement bien adapté à ce type de vie. Sa position normale est d'être suspendu par les quatre pattes à une branche plus ou moins horizontale, ce qui lui fait voir le monde à l'envers par rapport à tous les autres mammifères quadrupèdes. Il ne se tient en position verticale que pour escalader un grand tronc ou lorsqu'il s'assoit sur une branche pour se reposer, la tête tombant sur la poitrine. Parfois, il s'allonge sur le dos quand la taille de la branche le permet, mais il ne se met sur le ventre que très rarement, lorsque, à terre, il rampe péniblement et se traîne, en tirant son corps avec ses pattes. Le paresseux s'accroche de préférence aux branches qui font au moins 10 cm de diamètre, quelle que soit leur hauteur, y compris à celle de la couronne des arbres, où un dense réseau de lianes facilite sa circulation. Le paresseux a un rythme de vie relativement souple, il peut être actif à n'importe quel moment de la journée, mais, de toute façon, il passe 14 heures sur 24 à se reposer. Son maximum d'activité se situe autour de minuit et le minimum à l'aube. Encore faut-il s'entendre sur ce qu'on appelle activité chez ce mammifère qui bouge très lentement et le moins possible. Ainsi, le paresseux à trois doigts change 4 fois moins souvent d'arbre que son cousin à 2 doigts.
le paresseux et végétarien, avant tout mangeur de feuilles. S'agissant là d'un aliment de faible valeur nutritive, il doit en ingérer de grandes quantités pour subvenir à ses besoins, qui sont, en soi, pourtant modestes. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on ne le rencontre que dans des régions de forêt tropicale, seules capables de lui fournir une alimentation en abondance à longueur d'année. Pour se nourrir, le paresseux peut, grâce à sa légèreté, 4 kg environ pour les paresseux à 3 doigts et de 4 à 8 kg pour les paresseux à 2 doigts, avancer assez loin jusque vers l'extrémité feuillue de la branche. Il se sert aussi de ses longs membres antérieurs, armés de griffes en forme de crochet, comme d'une gaffe pour rapprocher le rameau trop éloigné. Mais c'est toujours directement avec ses lèvres et ses dents qu'il cueille la feuille, le bourgeon ou le fruit qu'il convoite. Pour tirer leur énergie d'aliments pourtant très pauvres, les paresseux ont une digestion très lente, qui rappelle celle des ruminants. Leur estomac volumineux comprend plusieurs chambres, dans lesquelles ont lieu la fermentation des plantes et la dégradation de leur cellulose. Pour s'alimenter, le paresseux choisit de préférence les jeunes feuilles, plus faciles à digérer, car elles contiennent plus de nutriments rapidement assimilables par l'estomac. Ce choix est commandé par la lenteur de la digestion, car certains aliments mettent un mois à parcourir l'ensemble du tube digestif. Dans l'estomac, des protozoaires et de nombreuses bactéries aident à la dégradation de la cellulose et des substances complexes qui composent le parenchyme des feuilles. Mais le processus est lent, plein, l'estomac d'un paresseux équivaut à environ 30% de la masse totale du corps de l'animal, ce qui est considérable. Enfin, l'intestin est plutôt court. Actuellement, la principale menace pour le paresseux est l'activité humaine, car celui-ci en fait commerce. L'impact néfaste de l'être humain sur l'espèce est d'autant plus important avec l'accélération de la déforestation, qui oblige le paresseux à se déplacer au sol vers d'autres zones habitables et l'expose aux prédateurs. Le paresseux a une espérance de vie d'environ 30 à 50 ans. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.